Quelle réponse A, B, C? Quelle
Alors, selon votre idée, c'est la biologie, c'est la patience.
tout le monde de personnes. Ça existe. Avant, il y avait beaucoup de cas comme ça. Maintenant, de moins en moins, parce qu'on traitait pratiquement les listes, surtout les listes d'or. Quelle est la réponse? Le scanner, bien sûr. Il faut faire un scanner pour la recombinage, pour la donner des indications à le scanner. C'est les listes ouvertes en compétence. Pourquoi le scanner? C'est pour montrer un peu les zones du lunaire et guider un peu la thérapie. Parce que s'il y a des lésions, le rat, des lésions, bien sûr, des débranchements, il faut peut-être même parfois faire de la thérapie. Pourquoi le scanner? Soit c'est un post-type A avec des collexes
de dos créditos. Dans ces situations, il vaut mieux associer de très convaincant, ne pas payer par jour, pendant 6 mois, enfin, je connais pour 2 semaines, tu arrêtes 2 semaines, par exemple, enfin, je connais pour, tu fais 3 semaines, tu apprends 3 semaines d'arrêt, il y a beaucoup de protocoles, sachant que c'est un médicament qui est toxique pour le foie, il est hépatotoxique, il est toxique pour le sang, il peut donner des hépatites fulminantes, on a eu un cas, et il n'est pas toujours. Donc, ce qui fait, la tartiche, te chute, tartiche, donc de l'autre côté, tu es entre deux. Je pense qu'il faut isoler. Dans ces situations, un distillé se remplit dans les étoiles, pas de médicament. Dans d'autres cas, il n'est pas présent. Sinon, on va avoir une deuxième explication. C'est les petits pistes, petits pas, moins de 4 cm. Et chez des malades qui ne sont pas opérables, etc. On va leur donner un traitement médical, espérant que le traitement va guérir le pistes. Alors, concernant le traitement chirurgical de pistes, même si c'est chirurgical est difficile, souvent, ce n'est pas le traitement qu'on propose pour les kystes du genre. Ce qu'on dit clairement d'une infection de cavité individuelle, l'axe, au contraire, pour le kyste, il expose le plus à l'infection pour des raisons anatomiques, parce que le genre, on sait que c'est un peu la cavité du regard en haut, en tout cas en haut, le liquide se connecte, donc la vie, la poussière, la sérum, la poussière, ça peut s'effectuer. Nécessite une coracotomie en plus de la thorectomie. C'est important et actuellement, traitement des kystes du dos, même si c'est compliqué pour le faire de base, toujours c'est la thorectomie, c'est la thorectomie. Et alors, les plus souvent, par une situation de stage, c'est ça. Donc, la kyste de développement sans comparaison 2 expose souvent à une rupture dans les liquides périnéales. Non, c'est une rupture dans le thorax, une rupture dans les liquides, une hypertension portale, et une SM en cas. Si vous voulez, ici, dans le compression, quand vous le segment, segment A, vous avez une carrière, des douleurs, le côté, c'est pas rouge. Alors, on ne peut pas le liste centrale. Cette liste centrale, c'est le 4-5-8. 4-5-8, liste centrale. Là, c'est un liste qui peut donner une compression avec portée, pas juste les derrière. Le liste du segment A peut donner à la fois bon, mais le kyste central, moi je suis un c'est un kyste qui ont beaucoup de problèmes. Vous voyez, c'est qu'il souffre assez souvent dans les organes. Quand il est au contact, les canaux ne viennent pas. Deuxièmement, l'accès chirurgical est difficile. Après, tu as quoi, ça n'est pas en Chine, il n'y a pas de dôme saillant. Pour accéder au kyste, tu dois ouvrir le parenchyme, ça. Là, ça c'est. Donc, l'accès, troisièmement, il peut se compliquer l'hypertension mentale. Donc voilà les complications de l'autre, le traitement de l'autre, et la patience de doucement, il y a des options de l'opérer, et la constitution de l'autre, le traitement de 3, qui est notre qualité, l'an 16 000, série d'essentiel. Quelles sont les réductions? Elle a déjà été opérée sur le moment, peut faire la prise avec une fois, affectée, et aussi vu les antécédents bipolaires. On peut faire notre prise du four en accord. Possible. Il est opéré il y a une tendance. C'est ancien. Il y a 20 ans, il y a 15 ans. Donc, vous pouvez évoquer ce liste quand même. On a une pathologie pulmonaire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut demander comme examen? Simplement, vous pouvez faire la péché thorax. Vérifier qu'il n'y a rien sur le thorax. Vous faites une écho ou la scanner abdominale. Une échographie suffit. Oui. Alors, plus ou moins scanner. Alors, voilà ce qu'on pense. Et non, on va dire que le problème n'est plus loin. Voilà le problème. Donc, c'est un risque qui est là, c'est la qualité du nord. Là, vous voyez, donc, c'est sûr, ça, c'est la même point. Vous voyez, la droite, franchement, la gauche. Voilà, il y a un pêche qui a des sous-là. Encore un élément de pression. C'est pour vous, j'ai dit. La mime. Alors, je vais vous remettre un peu. C'est quoi en fait? C'est un risque. Merci. Alors, le traitement, en théorie, est sur ce. C'est pas une urgence, c'est une urgence différente. Donc, on peut l'opérer dans un moment. Le mettre sur son côté, avec quelques secondes de tube, pour commencer la chirurgie. Comment vous faites la chirurgie? C'est un risque énorme, c'est difficile, une infection.
les exemples de précédents, vous allez vérifier. S'il y a une fistule, c'est très important parce que le fils se fait uniquement. Généralement, la fistule, c'est au milieu. Quand on le fils tourne, il n'y a pas de l'eau. C'est une seule fistule. Pas. Petit à petit, il se décroche. Le poids de mon monde, avec mon bras, vous avez mon bras, mon GPS, on va pencher ça. Donc, le cheveu est très important. Je vais le former, ce qu'on appelle le périnisme, c'est une paranchine profondée par le disque et ça devient des périnisme. Mais, pas mal de contact de cette forme-là. On a dit par moi, il y a des canaux, il y a des membranes, juste à même. Petit à petit, elle va les éroder. Pression, le disque, il y a à quoi le canal, il y a. Ça hâte, il y a des pressions. Il y a un peu de vie, le paradis, le canal, non, le disque. Le vie, le paradis, il se suffisait de l'église. Qu'est-ce qui va venir à notre vie? Corrosive, c'est une base très forte. C'est une base qui va entraîner la mort. Alors le Christ va se défendre, et je vous dis, il va se multiplier à la calèche de victoire. À la calèche de victoire, le type, le baptiste généralement, il est agressé par la vie, il vient de réfléchir. Pour qu'il ne meure pas, il se multiplie. Voilà. Donc généralement, le type 3, il y a souvent une fistule. Même s'il n'est pas visible, elle est là. Voilà. Donc, du moment que ce qui est affecté, la vie par l'homme du Jupiter, elle doit être recherchée. Ok. Donc, résistons. C'est que, une infection de l'œil, généralement, c'est l'ouverture. Pas de l'ouverture, pour l'ouverture. Hier, je suis en train de dire une large fistule. Attends, enfin, l'ouverture large, avec passage à l'éducation. Une micro-ouverture avec un peu de lumière contaminée. C'est un genre. La vie est en mauvaise. Quand la réflexion existe, généralement, tu ne vois pas. Ce n'est pas dû à la voie climatogène. Ça existe, mais c'est rare. Et comment c'est ça? L'ouverture existe avec des petites fistules. Hein. On voit que la vie est en mauvaise. Pas à la réflexion. Bien sûr, vous avez la clinique, quand vous avez juste ouvert, vous avez tout ce
2, 3, 3, 4. Le 7 va s'établir spécifiquement. Le 2 prend l'obstruction. Le 4, on dit que c'est un pseudo qui est marqué, c'est tabou. Et le 3, donc 3 et 4, n'est pas le seul. Quels sont les signes d'ouverture de la fistule dans l'hypomilia? L'hypoma, premièrement, c'est que tu vois la fistule, si les pieds, c'est la dilatation hypomilia, si les pieds, atterrir les pieds, donc pour les docteurs, le fistule 2, pour le type 3, un récordiage, un fistule 3, ah, c'est pas encore ouvert, c'est un récordiage. Et là, quand tu vas te dire, je ne sais pas, c'est un signe qui signifie l'ouverture de l'hypomilia. Puisqu'il puisse le dire pour droit. Deuxièmement, dilatation du bovier, intérieur du pubis, et voilà, donc on a la dilatation du bovier, on peut avoir peut-être un intérieur du pigment du bovier principal et le pubis. Donc bien sûr, le scanner est souvent indiqué pour suspecter une ouverture partout qui s'est amputée, doit nécessiter un scanner, qu'il soit pas obligatoire dans le bovier, pour faire un scanner. D'autres complications, c'est le super gonthorax, on va être de 2 à 5%, qui se manifeste soit par la mine, soit par la mine ici, soit par l'idée ou le tisme. La mobile, c'est-à-dire le crachat de l'huile amène, avec le bon alentail. En fait, moi je pense que c'est la mobile plutôt, c'est de l'huile parfois amène. Le sphère, je voyais plus que des grammes de squelette. Bon, sauf si c'est un tisme écrit 3, il y a un peu de membrane hépatique. La périphysie, c'est que le malade est obligé de cracher quelque chose de très date. Et quand le malade crache des membranes lymphatiques, c'est l'hyperhidrotisie. Et quand le dységuidement compliqué par ouverture de la branche familiale, vous avez une hyperhidrotisie dans les membranes. Si vous avez une membrane avec un peu de lait dessus, c'est que c'est un risque du foie ouvert à la fois dans la branche et dans le corps. C'est un peu ceci. Alors, les examens d'ordre. Il est indispensable de publier les homéopathies et mettre en évidence la crème de l'homéopathie. Voilà, je suis le scanner qui m'a ouvert le grand droit avec les larmes de fer. Vous voyez la croix, c'est comme le segment probablement le livre. Et là, vous avez au-dessus la partie de la branche, la communication entre les voies et la branche, la voie de l'homéopathie. La rupture péritonéale, c'est quelque chose de difficile. Jeunes, il est tombé, il a eu mal, après il a ramené aux urgences, il était dans le repas, intubé, ventilé avec l'hyperthermie.
donc on prend la opérée. Ça, en l'opérant, dès que l'organe de la piste, du sang, cette piste était couvert dans la même suscitation. Donc on a fait une compression, une suture, et après une extension. Donc on est avec des ouvertures spontanées de la piste dans les vaisseaux, c'est très rare que c'est pas fait. Souvent, ça donne une embolie, et d'ailleurs, ça fait une petite résidue, on va partir vers le mort, c'est pas une embolie. Mais sinon, ça peut donner un choc. Donc, pour le traitement. Alors, le traitement des cybernétiques, le traitement est essentiellement chirurgical. Il se base sur les techniques de résection. Donc, si vous voulez, le traitement est conservateur, le septième point de lancement, c'est-à-dire la partie qui s'aggrave pour ce point de fois, par les opérations de la mort. Elle résèque cette partie, c'est-à-dire les vitreux. Mais, cette règle d'attention, en cas d'une cavité, vous avez bien vu, elle se vide, risque de voir traiter une réélection supérieure. Et c'est pour ça que vous avez deuxièmement, en plus de ce vide, vous savez, derrière le vérifice que vous gardez ici, il y a un vérifice qui reste en contact, il peut y avoir des vérifices derrière, qu'on appelle exo-sécurité. Là, il exploite un risque de récidive à 4 minutes derrière cette vérifice. Deuxième principe, c'est là, ça c'est le drainage, France, parmi vous, et maintenant, vous avez une vérifice du nord avec une fistule là. Ça c'est le drainage segment 7, il ne s'agit pas d'un médium de 3, ça c'est le drainage 1, ça c'est le 7, ça c'est le 5 et le 8. Donc là vous passez dans ce drainage, un drain, et vous le sortez à travers une branche. Ça permet une cicatrisation. Quand vous faites une prolongée, vous voyez, la robe est bien normale, la drainage est normale, la drainage 3, vous voyez ce drainage. Vous permet de cicatrisation de cette fissure. Voilà. Alors, autre technique pour traiter les fissures, c'est le titre drainage interne trans-fissuroscopien. Drainage interne trans-fissuroscopien, c'est un traitement qui s'assimile. C'est ça, vous avez la fissure qui est là. Alors, vous ouvrez, vous videz le contenu, c'est-à-dire les fissures, et ensuite, vous le suturez. Vous ne mettez pas de drainage. Comment on va cicatriser cette fissure? Pour les dismembrements accueillis, il y a un envie du vide, de risque, de secours.
tranche, on existe les plus utilisateurs de 10 tables sont inférieures à 4 cm, il n'y a pas de consensus. Celle-là, je vous dis, ce n'est pas consensus. Alors, c'est la deuxième nombre 2, qui a été aussi systématique et hématologique. On fait 3 cycles de 21 jours, 317. Il y a plusieurs protocoles, comme je connais, 21 jours, et il repose 8 jours, comme je connais, 5 jours par semaine, et il repose 2 jours, pendant 6 mois, tout dépend de tout. Voilà. Comme une autre technique qu'on appelle la tension, inspiration, injection et réflexion, cette technique va passer par une aiguille dans le chute jusqu'au corps Christ et vous allez aspirer le contenu, vous injectez la scolisme. C'est pour tuer l'iscolisme. Cette technique, avant, c'est une technique un peu risquée parce que si vous en avez une aiguille, quelques CC coulent, vous avez un choc anaphylactique, vous risquez d'avoir des crises ou quoi que ce soit. Donc, on est plus. Actuellement, on utilise de plus en plus, surtout les malades qui sont en distance, en aveuglage, qui ne sont pas opérables parce qu'ils sont vieux. Donc, la bière est une technique qu'on peut utiliser pour certains cas. Voilà le niveau. Alors, depuis que vous faites une chose du cas de l'évacuation de l'acte du malade, aidez à dégager les idées, vous soutenez. Vous parlez de votre idée, la vérité, vérifiez la vérité, la perméabilité, la vérité des hommes. Réaliser une polystéchnique systématique en mouvement, traiter des lésions linéaires associées et des provocations. Bon. L'évacuation du paradis, donc vous savez ouvrir le risque de vous enlever les produits, les activités de l'économie. Par, vous allez traiter la qualité des réalisations par hydroplastique par un pouvoir de loin, sur le ménage, vérifier la rapidité de la sécurité s'il y a une justice. Et s'il y a une consommation.